Ça y est, alors on a là les micros Rasbora Galaxy. Est-ce que. Ouais, ça fait un peu loupe. On verra peut-être mieux tout à l'heure quand je les aurai mis dans l'aquarium. Voilà, il y en a 8 qui vont aller acquis avec les Blue Velvet. Et ici, on a des crevettes, des yellow. On n'en voit pas trop parce que déjà le bol est orangé un peu. Et ils vont aller hop, à côté, dans celui-là, rejoindre la dernière de escapée. Il n'en reste plus qu'une. Elle est là. Hop, on la voit. Donc on est parti pour une heure et demie d'acclimatation. Et puis on reviendra pour la mise en bac. Bon ben ça y est, l'acclimatation est finie, la mise en bac aussi. Hop. Voilà pour les yellow. Il y en a au fond aussi. Je sais pas si on va arriver à les voir. Si. Voilà. Alors par contre, je viens de mettre les micro-rasbora dans l'aquarium. Un embrun qui se promène tout en bas là. On ne voit pas bien. Hop, il monte. Et en fait, ils sont vite tous partis se cacher. Attendre un peu qu'ils s'habituent et qu'ils sortent. Ben voilà. Bienvenue aux nouveaux habitants. Allez. Ah voilà, ça fait un jour qu'ils sont dans le bac. Ils commencent à sortir. Là, le petit banc dedans, au fond. Encore un peu timide. Et voilà. Donc une journée. J'ai qu'un souci, c'est que j'ai pas pensé à leur prendre à manger. J'ai que des grosses granules. Alors je sais pas si hein, je vais essayer de les concasser pour leur donner un peu à manger. En attendant d'aller chercher ce qu'il faut. Voilà pour les micro-rasbora Galaxy.